Fais-le encore plus dégueulasse. Toute la poésie de Woody Woodpecker. Ce soir, pour vous, il fait. Même chose. Good evening, everybody. I am Lady Gagarin, and I am with Warpig. Good evening, Warpig. Hello, everybody. Good evening. Who are you? Qui êtes-vous, Warpig? Me, I am Captain Fidel Castro. And I am Juan Luis Barracks. And on va le faire en français, c'est mieux quand même, hein, pour ceux qui parlent anglais. Oui. Ouais. Oui. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Warpig? Un Warpig. Un Warpig. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un Warpig? Un Warpig, c'est un cochon de guerre. Exactement. Un cochon de guerre. D'accord. Et le spectacle, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une sorte de pamphlet très satirique quand même sur la guerre. Toi, tu es colonel, c'est ton souffre-douleur. C'est mon soldat. C'est ton soldat. Et je vais en faire un vrai mâle, un vrai homme, avec tout ce qu'il faut pour tuer. Mais qu'est-ce que c'est un vrai homme? Qu'est-ce que vrai homme? C'est Sylvester Stallone dans Rambo. Je vais faire de cette chose longue et molle, cette espèce d'andouille. Moi je m'accroche, je veux réussir. Un pig killer. Je veux réussir et je vais réussir. Et l'univers du coup il est quand même très très visuel. Vous avez des costumes, même sur scène il y a beaucoup de choses aussi. Enfin, pas tant que ça mais quand même des choses marquantes. C'est du clown donc c'est visuel, il n'y a pas, beaucoup de texte. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous faites ça, du clown et Warpig? Comment ça vous est venu cette idée? On s'est rencontrés au Brésil pour un spectacle pour enfants qui s'appelait Zaza et Caca. Il est caca, je suis Zaza. Et on s'est dit, c'est bien, le string, les tongs, mais faut qu'on revienne en Europe, on a d'autres choses à dire, notamment autour du savoir-vivre à la française. Le savoir-vivre à la française. Qui est quand même le thème du spectacle. Le thème du spectacle. Parce qu'on se bat pour le savoir-vivre à la française. C'est ça le but, quand même, de notre armée. Le but petit doigt levé. Le petit doigt levé. Savoir-vivre à la française? Eh bien, il faut voir le spectacle. Il faut voir le spectacle. Pour avoir réponse. Et dans le spectacle, il y a du clown, beaucoup, donc si vous aimez pas, bah, faut venir quand même. Hein. Il y a des chansons, il y a beaucoup de trash aussi quand même. Mais emmenez vos enfants. Oh. Oui, les enfants, ils aimeront. Les enfants, ils aimeront. Ah oui, c'est un peu trash. Un peu trash. Bah, il y a des beaux messages comme l'amour entre les hommes et la guerre et... Ça. Et de savoir vivre l'amour, la française. L'amour entre quoi? Entre le between two men in war. Non? Non. Oui, bah c'est un peu c'est un peu Brokeback Mountain mais à l'armée, hein. À l'armée, hein. Mais c'est un peu ça peut-être aussi dans la vraie vie à l'armée. Oui, mais peut-être. Ça laisse réfléchir ce spectacle. C'est un spectacle très spirituel. Je veux dire à papa que tu mets du rouge à lèvres. Pardon. On pourra le couper ça. Ben on va faire court parce que sinon on va se faire virer, je crois. Voilà. Je crois que c'est l'heure. Ce fut bref mais intense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous mort branlette. Finito la branlette. Finito la branlette. Maintenant, merci on beaucoup. Passe aux choses sérieuses.